La partie de l'océan Indien comprise entre les îles Andaman à l'ouest et les côtes birmanes, Thaï et malaises à l'est s'appelle la mer d'Andaman. La Thaïlande possède 870 km de côtes sur cette mer et l'une des plus belles baies du monde, la baie de Panga. Souvent comparée à la baie d'Along au Vietnam, la baie de Panga compte 300 pitons calcaires aux formes les plus étranges. Les plus imposants culminent à 100 mètres de hauteur. Ce décor impressionnant a été rendu célèbre par un film de James Bond. Et il a beau être visité quotidiennement par des centaines de touristes, il n'en garde pas moins toute sa magie. L'eau a érodé la base de nombreux pitons, creusant des grottes et des passages inattendus. Dans cette immense baie aux eaux peu profondes, par endroits guère plus d'un mètre, on dénombre une dizaine de villages construits sur pilotis. Ces villages tirent leurs ressources de la mer, commerce, pêche, récolte des coquillages et élevage de poissons. Ces communautés musulmanes, originaires de Malaisie, sont parmi les dernières en Thaïlande à pratiquer une pêche de subsistance non commerciale. Séparés de la terre ferme par une jungle de palétuviers en contrebas d'un rocher calcaire, le village de l'île aux bambous mène une vie paisible. Ici, le touriste ne vient pas. Le bateau est le seul lien avec l'extérieur. La vie entière du village est tournée vers la mer. Bao, 27 ans, pêche dans la baie et en haute mer depuis qu'il est enfant. Avec ses coéquipiers, il se déplace en pirogue longue à fond plat, muni d'un moteur à deux temps. L'hélice est montée au bout d'un immense arbre de transmission. Sa position, loin de la coque, confère à son embarcation une grande maniabilité. Ces pirogues à fond plat sont les seules qui permettent de naviguer partout sur la baie, et notamment dans les zones les moins profondes où l'ensablement menace. Ces derniers jours, le temps est au vent et il pleut régulièrement. La mousson, qui s'arrête normalement fin octobre, joue les prolongations. Aujourd'hui, le vent étant un peu moins fort, Bao et ses équipiers ont décidé de tenter leur chance. Ils veulent ramener un peu de poisson pour la famille et la ferme aquacole du village. Quelque part au milieu de la baie, ils commencent par mettre en place un filet de 320 mètres de long sur 4 mètres de large. Un wawon en thaï. À l'endroit où ils ont décidé de poser leur filet, le fond est à environ 5 mètres de profondeur. Reste à savoir si les courants et la marée descendante, contrariés par le vent venu du large, amèneront suffisamment de poissons vers le filet.
Les deux pirogues effectuent la même manœuvre. Le filet aux mailles fines est adapté pour une pêche aux petits poissons. Cette pêche est pratiquée de la même façon ailleurs en Thaïlande, en lac et rivière ou en estuaire. Une fois le filet posé et après quelques heures d'attente, la manœuvre inverse est engagée. Les deux garçons remontent les 320 mètres du filet. Ils opèrent avec un mouvement croisé, le haut du filet croisant le bas, de manière à ce que les poissons pris au piège ne puissent s'échapper. Ce mouvement croisé leur évite également l'emploi de filets maillants, plus onéreux que leur filet droit. Petit à petit, les platous, des poissons de la famille des maquereaux, sont retirés des mailles. En Thaïlande, le niveau de vie est 10 fois moins élevé qu'en Europe. Le pays est encore essentiellement rural. 50% de la population vit de l'agriculture ou de la pêche. Poissons, crevettes et fruits de mer restent toujours la première source de protéines. Les ressources en poissons sont, depuis une vingtaine d'années, menacées par une pêche intensive. Pour répondre à ce problème, l'État encourage aujourd'hui le développement de l'aquaculture. Une partie de la pêche d'aujourd'hui y est d'ailleurs consacré. La pêche n'est ni bonne ni mauvaise aujourd'hui. Avec le vent et les vagues, c'était prévisible. Lorsque le temps est beau et la mer est d'huile, ce qui est habituellement le cas en cette saison, les courants de la marée descendante amènent alors quantité de poissons vers les filets. Bao et ses amis n'ont plus alors qu'à aller les cueillir. À force de patience, ce sont tout de même une centaine de petits poissons qui sont pêchés. Rien de négligeable. À l'île aux bambous, chacun y va de sa petite économie et la mère finit par nourrir son homme. Dans tous les villages thaï construits sur pilotis, on trouve des séries de viviers où les pêcheurs élèvent les espèces les plus prisées ou les plus prolifiques. Une partie de la pêche de bao va d'ailleurs servir à nourrir des poissons voraces de 5 à 10 kilos, des plachong palais. Pêchés en mer par les villageois ou achetés à d'autres pêcheurs au marché, les jeunes alevins ne pèsent que 200 ou 300 grammes. À maturité, les plachong palais peuvent atteindre 50, voire 100 kilos. Ils se revendent entre 500 et 1000 francs, un pactole pour les gens d'ici. Chaque famille possède ainsi plusieurs dizaines de poissons dans ces casiers aux parois tressées de métal et de bambou rassemblés en face du village. Thank you.
Les 300 poissons du village sont surveillés et alimentés régulièrement par le patron des viviers. Dans la passe qui mène à l'île aux bambous, les villageois mènent une autre activité marine. Ils récoltent des moules. C'est un travail difficile et peu rémunérateur auquel participent de nombreuses femmes. Les moules sauvages qui se développent dans le limon sont recouvertes de boue et de vase. Elles sont mises par paquets dans des filets, puis elles sont tassées, la pression des pieds finissant par les débarrasser de la boue. Enfin, les filets sont hissés dans les pirogues et ramenés au village. Vient ensuite l'interminable travail de décortiquage des moules que mène la femme de Bao avec sa mère et sa grand-mère. Le travail a beau nous sembler interminable, le geste reste précis et le rythme régulier. Le kilo de moules décortiquées ne se vend pas bien cher. Les moules en Thaïlande seront écrasées, voire séchées, et entreront ensuite dans la composition de nombreuses sauces et spécialités de poissons. Dans une douzaine de villages de l'île de Phuket et des provinces environnantes de Satun et Krabi, se pratique une pêche physique et difficile que des gitans des mers, descendants de Malais, sont les seuls à pratiquer. Pour Tia et ses cinq pêcheurs, il s'agit d'abord de gagner les parages d'une des nombreuses îles inhabitées à portée de pirogues de Phuket. Nous sommes les plus anciens habitants de l'île de Phuket. Au début, les Thaïs ne savaient pas comment nous appeler. Comme on habite depuis toujours sur la plage et qu'on se déplace et travaille en mer, on nous a d'abord appelés les gitans des mers, les Chaolé. Puis la mère du roi nous a appelés les gens de la pêche, les Pramonkit. Et maintenant, pour nous faire sentir qu'on fait partie du pays, on nous appelle les nouveaux Thaïs. Après la prière d'usage, chacun des deux pêcheurs, muni de sa pique, de son filet, de sa ceinture lestée et de son masque, est paré pour la plongée. L'alimentation en oxygène est sommaire. Un compresseur envoie de l'air à travers un tuyau dont l'extrémité est fixée au masque du plongeur, au-dessus de l'œil droit, par une valve de chambre à air. Le plongeur inspire et expire par le masque. Le trop-plein d'air s'échappe par le caoutchouc. S'il n'a pas de ceinture lestée et s'il veut aller en profondeur, le plongeur utilise alors une grosse pierre. À bord du bateau, le reste de l'équipe suit son déplacement. Un placao, un mérou tacheté, a été harponné. Le plongeur continue minutieusement son quadrillage des fonds marins. On plonge de 5 mètres jusqu'à 50 mètres de fond près des îles ou dans les failles.
La plongée dure généralement 20 minutes d'affilée. Au bout de 20 minutes, on prévient le plongeur en tirant sur le tuyau. Il sait qu'il doit alors remonter vers le bateau. S'il n'est pas aguerri et prévoyant, il peut avoir un accident, à cause de la pression s'il va très profond. S'il n'y prend pas garde, le tuyau peut se trouer ou se casser, et son masque littéralement exploser. Les rochers, les coraux et les hélices des autres bateaux peuvent aussi sectionner ou déchirer le tuyau d'arrivée d'oxygène. L'arrêt inopiné du compresseur ou la rupture du tuyau sont vite dangereux. Le plongeur a rarement plus de 2 bouffées d'air avant de manquer d'oxygène. Imaginez s'il est à 40 ou 50 mètres de profondeur. Autre danger, les requins. Les plongeurs qui ramènent des poissons morts ou blessés sont une cible naturelle pour les squales. Sans oublier les conséquences d'une remontée trop rapide. Il y a des plongeurs qui ne savent pas plonger par palier, qui ne comprennent pas comment ça marche sous l'eau avec la pression. Mettez un seau là-bas, tout en bas, vous verrez. Il deviendra tout plat. C'est pareil avec le corps. La pression pose des problèmes de circulation sanguine et des douleurs dans les jambes. On peut même être handicapé et ne plus pouvoir marcher correctement. Alors si on se sent mal, qu'on est remonté trop vite, on fait comme on a appris au service militaire. On replonge dans l'eau, au bon palier, pour que le corps se réhabitue. Mais ça ne marche pas toujours. Tous les villages de gitans de mer comptent plusieurs plongeurs, jeunes ou vieux, handicapés par des douleurs aux membres. Certains même ont le bas du corps paralysé. Aujourd'hui, la pêche commence bien. Déjà, plusieurs miroutes achetées, des poissons qui se revendent bien sur le marché, 20 francs pièce. Un bon prix en Thaïlande. Nos pêcheurs repartent pour une deuxième plongée. La deuxième pêche leur permet de ramener 2 nouveaux poissons. Dans les rochers qui affleurent près de l'île, les plongeurs vont maintenant récolter ce qu'ils appellent des sangsues de mer, des limaces de couleur foncée de la famille des holothuries. Cette pêche se pratique en apnée. Les sangsues se nourrissent de débris organiques en suspension dans l'eau. Il existe environ 900 espèces d'holothuries, de formes, couleurs et tailles très diverses. Oui,
Elles sont préparées par séchage et fumage, après avoir été évidées. Le produit séché est durci et coupé en morceaux, et cuit jusqu'à former une masse gélatineuse, consommée par de nombreux Asiatiques. Cette pêche moins difficile apporte aux gitans des mers un complément de revenus. Avant de rentrer, une dernière tentative de plongée est menée près d'une autre île. Par ici, les fonds sont à plus de 20 mètres. Mais le temps est en train de changer. Les résultats sont décevants. Les poissons sont peu nombreux. L'un des plongeurs en ramène d'ailleurs un petit. Les autres, les plus gros, sont soit à l'abri des coraux, soit partis vers de plus grands fonds. L'équipe préfère arrêter la pêche. La plongée à plus de 20 mètres, du fait de leur équipement sommaire, nécessite luminosité sous-marine et mer d'huile. Il était temps de rentrer. Un bel orage de mousson approche. Jamais très rassurant d'être pris dans un grain ou un orage, les pirogues des gitans des mers n'étant pas très adaptées au mauvais temps. Ce poisson-là est un mérou tacheté. Il se cache sous les rochers ou dans les coraux. On en attrape aussi avec des casiers qu'on laisse plusieurs jours au fond de l'eau. En Thaï, on le surnomme la crotte de buffle. À cause de son aspect, j'imagine. Autrefois, pour pêcher, il fallait partir avec 8 ou 10 personnes à la voile ou à la rame. On partait en mer 15 jours, 18 jours, un mois. C'est comme ça que j'ai appris à pêcher avec mes parents. Aujourd'hui, c'est mieux et plus facile avec les moteurs. Vous vous rendez compte, on peut aller jusqu'à Satun ou Ranong en seulement 2 jours. Il y a 4 ou 5 saisons, il y a eu un vrai problème de pêche. Il n'y avait plus de poissons. Alors on est parti vers Ranong, les îles Surin, à la frontière avec la Birmanie. On s'est installé là-bas pendant quelques temps pour pêcher des crevettes et des coquillages. Et puis on est revenu. C'est pour ça qu'on nous appelle les Chaolais, les gitans des mers. Et ça ne te dérange pas qu'on t'appelle ainsi ? Mais non, pas du tout. La mer, c'est toute ma vie. Et c'est toute la vie des hommes et des femmes du village ici. Notre vie de pêcheur et de marin, on l'aime. Alors vraiment, ça ne nous dérange pas qu'on nous appelle les gitans des mers. Le port de Phuket est témoin tous les matins d'une intense activité. La flotte de pêche thaï fait partie des 10 premières au monde. La Thaïlande exporte tous les ans pour 3 milliards de francs de thon, crevettes et calamars. Et les chalutiers, après parfois seulement quelques heures de ravitaillement, repartent pour plusieurs jours en mer, les cales remplies de glace pilée. Le Sara Konawa est un chalutier comme il y en a beaucoup à Phuket. Il est équipé d'une radio et d'un sonar qui lui permet de repérer le poisson. Le capitaine Piroun et son second sont thaï. Le reste de l'équipe est composé surtout de Birmans, main-d'œuvre fréquente sur les chalutiers de la mer d'Andaman. Pour décider où je vais aller pêcher, je me fie avant tout à mon expérience.
Je choisis l'endroit en fonction de la date, de l'heure et surtout de la lune. Telle lune, tel mois, je fais un rapide calcul et j'en déduis la quantité de poissons que je peux espérer attraper à telle profondeur. Aujourd'hui, le temps est maussade. On a décidé de pêcher des petits poissons, des crevettes et des langoustines. Tout cela à environ 3 km de la plage par 50 mètres de fond. S'il faisait plus beau, on irait plus loin et plus profond. L'important est de ne pas rentrer trop tard au port et d'arriver avant que les négociants aient fini leurs achats en produits frais. La période de la mousson se termine. On va pouvoir maintenant partir en mer pour plusieurs jours, même si notre bateau n'est pas très gros comparé à d'autres chalutiers de Phuket. La première étape est la mise en place du filet que le chalutier va tirer à petite vitesse pendant 4 à 5 heures, voire plus, sur le fond marin. Deux grands panneaux en bois, décalés par rapport au filin, sont utilisés pour écarter le chalut et le maintenir sur le fond marin. Après, c'est l'attente pendant les heures où le chalut est lentement tiré. Être marin-pêcheur est plutôt prisé en Thaïlande. Dans ce pays au climat chaud et pesant, c'est moins fatigant et contraignant que de travailler dans une exploitation agricole. En mer, il y a la brise marine et de longues plages d'attente et de repos. Seulement, il faut aimer vivre en mer plusieurs jours d'affilée coupé des siens. La remontée du filet commence. Elle est rythmée par les coups de sifflet du chef d'équipe. Le chalut est d'abord ramené sur le côté du bateau avant d'être entièrement sorti de l'eau par des filins métalliques tirés par un moteur. La pêche que pratiquent les chalutiers, la taille et la maille de leurs filets font peser un réel danger sur la ressource des environs de Phuket. Les autorités ont été obligées de décréter une zone réservée à moins de 3 km du rivage où il est interdit de pêcher au chalut. Une fois le chalut passé, il ne reste pas grand-chose derrière. La pêche est disparate. Beaucoup de petits poissons finiront compactés pour nourrir des plus gros dans les élevages. Les prises moyennes ou plus grosses, les crevettes, les calamars, les langoustines sont triées et mises en cale au frais. Le chalutier de Pirun va continuer à pêcher ainsi pendant 5 ou 6 jours, au gré des marées, des courants et des calculs réussis ou manqués de son capitaine. Au pays du sourire, des éléphants domestiqués, du bouddhisme, des temples couverts d'or, faire souffrir une créature vivante, donc un animal, n'est pas bien vu. Être pêcheur sportif, attraper des poissons pour son plaisir et pour ensuite la plupart du temps les relâcher, reste pour bien des Thaïs un mystère et un tabou.
Ça n'empêche pas Phuket d'être devenue l'une des destinations de pêche sportive parmi les plus dynamiques d'Asie. Peter est skipper à Phuket. Il emmène aujourd'hui deux Écossais et un Anglais pêcher sur son bateau de 18 mètres, le Dorado. Le bateau qui pratique la pêche à la traîne est bien équipé en leurre et en appât. 7 lignes sont mises à l'eau en même temps. 2 d'entre elles sont montées sur des tangons pour éviter qu'elles ne s'en mêlent. Les pêcheurs ont opté pour une zone au nord et à l'ouest des îles Ratcha, à 40 km de Phuket. Le plateau continental plonge à cet endroit à plus de 100 mètres. Cette zone est le fief des marlins et des thons. En chemin vers le tombant, Jim, l'Écossais, a ferré un poisson qui est parti en dévidant des dizaines de mètres de fil d'un. C'est un poisson rapide et puissant qui lui oppose une bonne résistance. C'est un Wahoo. Avec l'espadon voilier, c'est l'un des nageurs les plus rapides des océans tropicaux. Les Wahoo peuvent mesurer plus de 2 mètres et peser 70 ou 80 kilos. Celui de Jim est plus petit, mais il se défend bien. Il va être gaffé quand d'un bond, il s'échappe sur le côté du bateau. Vivant seul ou en petit groupe, le Wahoo passe la plus grande partie de son temps près de la surface. Il plonge rarement à plus de 12 mètres de fond. Cette fois est la bonne. Il mesure un peu moins d'un mètre et pèse près de 12 kilos. Par rapport à sa taille, il a livré un beau combat. C'est mon premier Wahoo. Ton premier Wahoo ? Oui, ils sont très rapides, n'est-ce pas Peter ? Ouais. Les plus rapides de l'océan ? Non, en fait, l'espadon voilier est plus rapide. Ses flancs argentés sont striés d'une vingtaine de barres verticales d'un bleu cobalt. Il se nourrit de poissons volants, de maquereaux et de calamars. Sa mâchoire triangulaire, armée de dents serrées, est puissante. Sa chair est d'excellente qualité. Comme il en va dans les autres espèces pélagiques, la femelle est très prolifique. Elle pond jusqu'à 6 millions d'œufs en période de frais. C'est au tour de Gérald, le fils de Jim, de passer à l'action. Gérald pêche depuis peu de temps. Après les poissons des lacs d'Écosse, les poissons tropicaux de la mer d'Andaman. Le poisson bondit plusieurs fois hors de l'eau pour essayer de se décrocher. C'est une dorade coryphène, un dorado comme on l'appelle ici. Le combat est de courte durée. Gérald a ferré un spécimen de petite taille, qui d'ailleurs ne tient pas en place. Jim a ferré un second Wahoo. Yang, Yang, my bye. Un autre Wahoo, petit mais beau, 3 à 4 kilos. Selon moi, c'est un peu inhabituel d'en attraper deux aussi vite en chemin vers le tombant. Uh-huh.
Puis, peu de temps après, c'est le tour d'un troisième. Jim, qui n'en avait jamais pêché, fait un triplé. Ils sont plus petits que le premier, mais tout aussi beaux. Peter et son capitaine cherchent des signes qui annonceraient la présence de marlins, oiseaux et bancs de thon. Le fish finder est un sonar. Directement à l'arrière du bateau, il émet un faisceau de son. Ce que le sonar réfléchit de mieux, ce sont les poches d'air. Tout poisson, quel qu'il soit, renferme une petite poche d'air qui l'ajuste pour flotter plus ou moins profondément. Le fish finder se base donc sur cette toute petite poche d'air du poisson pour le repérer. Plusieurs bancs de thon sont repérés à proximité d'un bateau de pêche traditionnel au repos. C'est bon signe. Les marlins, leurs prédateurs, ne doivent pas être très loin. Aux côtés de Jim et Gérald, un troisième pêcheur entre en jeu, Robert, qui vient du nord de l'Angleterre. Les prises de thon Skipjack et Albacore se succèdent. Les Skipjack se reconnaissent à leur bande noire horizontale sur le ventre. Les Albacore n'en ont pas, mais sont dotés d'une nageoire concave. Voici un thon plus gros, dans les 3 kilos. On en attrape beaucoup de cette taille. Yo, free up, Robert. Les pêcheurs ne sont pas trop de trois à certains moments. Même si certains thons décrochent. Skipjack, albacore et yellowfin se mélangent souvent dans un même banc. Les skipjack plongent jusqu'à 260 mètres de fond et peuvent atteindre 20 à 30 kilos. Les albacore atteignent les 40 kilos et plongent jusqu'à 600 mètres de fond. Voilà une jolie paire. Les yellowfin sont les plus gros. Ils peuvent peser jusqu'à 80 kg, voire plus. Les prises restent modestes. Les plus gros thons sont visiblement plus loin au large. Une dizaine de thons de 1 à 3 kg viennent garnir la glacière. Ils vont pouvoir servir d'appât pour du gros, des marlins et des espadons. Mais ces derniers ne sont pas au rendez-vous. Les poissons à rostre sont imprévisibles, en Thaïlande comme ailleurs. Il y a des jours, toutes les conditions semblent réunies et pourtant, rien à faire, ça ne mord pas. La fin de la journée est saluée par le passage d'une baleine de plusieurs tonnes. Un peu timide à notre goût. Le Dorado est un bateau suffisamment grand pour pouvoir accueillir jusqu'à 3 pêcheurs et 3 membres d'équipage pour des safaris de pêche de 3 à 4 jours, notamment jusqu'aux îles Similan. Pêche non-stop jour et nuit, à la traîne en surface ou à la palangrotte sur les fonds coralliens. Les prises sont diverses, des poissons coralliens délicieux. Une raie Thornback, dont la queue porte un dard peu sympathique.
Et au petit matin, un poisson lune. Un petit barracuda. Et un dernier thon pour la route. Tous les ans, début novembre, se tient à Phuket une compétition de pêche sportive internationale, la Sport Fishing Classic. Cette année, près de 25 bateaux sont en lice. Dorado est l'un des bateaux inscrits avec à son bord 4 pêcheurs venus d'Australie, d'Angleterre, de Thaïlande et de Singapour. Hormis le fait que les prises de requins sont interdites, l'espèce étant protégée, tous les poissons à rostre, marlin et espadon, doivent être impérativement relâchés pour pouvoir être comptabilisés. Bala, indien de Singapour, est le premier à entrer en lice. Le poisson a beau ne pas être très gros, Bala assure sa capture avec détermination. Encore un wahou. Celui-ci pèse de 5 à 6 kilos. C'est toujours quelques points de gagné pour le bateau. Les lignes sont immédiatement remises en place. Avant même que Bala ait le plaisir de présenter sa prise et de poser pour la photo. David, jeune Thaï de 17 ans, est l'un des plus jeunes pêcheurs de la compétition. Avec efficacité, il sort de l'eau une dorade coryphène de 3 à 4 kilos. Sous la barre des 5 kilos, elle ne pourra être comptabilisée. Le troisième pêcheur inscrit est Robert, qui s'est saisi de sa canne dès le départ d'une nouvelle ligne. Pour lui, ce sera un autre wahou. Décidément, le bateau est abonné à cette espèce pélagique qui n'est pourtant pas la plus répandue dans la zone de Phuket. Quelques kilos et points en plus. Toujours pas de poisson à rostre en vue. Après avoir sillonné le tombant pendant plusieurs heures à la recherche de marlin, l'espèce reine de la compétition, Peter décide de rejoindre les îles Ratcha. La quasi-totalité des bateaux de la compétition se sont apparemment donné rendez-vous. Pour peu, on s'en mêlerait presque les lignes. La zone prospectée par les compétiteurs, d'un rayon d'un kilomètre, n'est pas tout à fait comme les autres. Ici réside un groupe d'espadons voiliers. Ce qui est étonnant, vu que l'espadon est un poisson migrateur. Le fait embarrasse de nombreux scientifiques. Pourquoi des espadons voiliers à cet endroit précis, bien délimité, tout au long de l'année ? Personne n'en sait rien.
Peut-être certains espadons arrivent pendant que d'autres quittent la zone, prenant le relais. Le fait est que nous avons des espadons voiliers tout le temps. C'est pourquoi tous les bateaux de la compétition sont ici. La radio de bord nous signale la prise d'environ 13 ou 14 espadons voiliers depuis le début de la compétition ce matin. Un bateau qui est le leader pour le moment est crédité de 3 prises. 2 ou 3 autres bateaux auraient un doublé. Les appâts qui semblent le mieux fonctionner à Ratcha sont des vifs, des blackbacks, de petits poissons au dos noir et à la queue jaune. Si plusieurs bateaux ont attrapé des espadons au début d'après-midi, maintenant c'est silence radio. Plus personne n'effectue de touche. L'heure du repas serait-elle terminée? L'attente se prolonge. Nos pêcheurs n'ont rien à se mettre sous la dent. L'espadon voilier se nourrit en surface ou à mi-profondeur de crustacés, de petits poissons et d'encornés. Les plus gros spécimens peuvent atteindre les 50 kg en mer d'Andaman, et mesurer jusqu'à 3 mètres de long avec leur rostre. Ça ne mord pas. Pourtant, les espadons sont là. Plusieurs nageoires nous narguent en faisant des ronds dans l'eau. Peter hisse le drapeau qui signale la meilleure prise du jour, un wahoo. L'heure du retour a sonné pour les concurrents, qui doivent être à la pesée avant 7 heures tapant. L'équipe du Dorado, que nous laissons à la fin de la première des 3 journées de compétition, revient un peu déçue. Elle se classe dans le milieu du tableau, face à des pêcheurs venus des 4 coins de la planète. John Pierce, outre le fait de présider la compétition, est lui-même skipper. Tout comme Peter, il vit en Thaïlande depuis plus de 10 ans. L'ensemble de la compétition est très apprécié. Il ne s'agit pas juste de pêcher, mais aussi de s'amuser, de prendre du bon temps tous ensemble, dans un esprit de camaraderie. Tout le monde en profite et revient année après année. Ça veut sûrement dire qu'on ne doit pas avoir tout faux. On vient surtout à Phuket pour l'espadon voilier. On peut aussi attraper des marlins, des wahous et toutes les autres espèces des mers chaudes. Des poissons de fond et des requins aussi. Mais avant tout, des espadons voiliers, c'est notre pain quotidien. Les Similanes forment un archipel de 9 îles nées il y a 1 million d'années. Elles sont très poissonneuses, pas tant des espadons voiliers d'ailleurs que des marlins. Et dans les bons jours, des wahous et quantité d'autres poissons pélagiques. C'est un endroit superbe. Bien sûr, vu la distance entre Phuket et les Similanes, on part pour plusieurs jours et on vit à bord. Quelles îles splendides, un vrai bonheur de s'y réveiller le matin. Les îles Andaman, 400 000 les séparent de Phuket. Là aussi, c'est exceptionnel pour la pêche et les îles sont très belles. Il y a beaucoup de marlins, de thon yellowfin, de très très grosses carangues et des doctus. C'est incroyable la vie sauvage, les animaux, les mammifères qu'on y trouve. Des baleines, des raimantas, des tortues. Tous les jours, vous n'en reviendrez pas. C'est une nouvelle destination de pêche dans le monde. Et quelle destination ?
Le charme des îles et de la côte thaïlandaise est indéniable. Quant à la pêche, elle reste plus que jamais dépendante des facteurs climatiques et de l'humeur changeante des poissons. La pêche en mer d'Andaman, qu'elle soit traditionnelle ou sportive, est aujourd'hui menacée par une pêche commerciale aux méthodes un peu trop systématiques. En témoigne le trop grand nombre d'espadons voiliers attrapés au filet, qui finissent sur les étals des restaurants de Phuket ou des îles environnantes. La pêche se pratique toujours plus loin, donnant l'occasion aux pêcheurs d'explorer de nouvelles îles et de nouveaux territoires marins.